Bon bah voilà, effectivement, j'ai pas pu résister, je suis allé faire mon petit tour chez Easy Cash et je me suis lancé à filmer dans les Easy Cash. Première fois que je fais donc un petit peu d'indulgence, merci, je suis désolé, j'ai pris le téléphone verticalement au lieu d'horizontalement, mauvais réflexe. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai craqué sur quelques jeux. J'ai craqué sur Dead Rising 1, alors merci Ghostplayer, c'est de ta faute. Voilà, j'ai vu ta vidéo par rapport à ça et forcément, bah moi j'ai voulu aussi profiter de l'offre. Sachant que moi, chez mon Easy Cash et Micromania, il n'y avait pas de promotion particulière. Donc, toi, tu avais eu 3 jeux pour 15 euros sur Xbox One et sur PS4. Nous, ici, Micromania ne fait rien du tout en ce sens. Donc, je me suis rebattu sur Easy Cash et j'ai bien fait. Donc, Dead Rising 1, je ne l'ai jamais fait. Moi, les jeux d'horreur, en général, à part les Resident Evil, le reste, j'ai rien fait. Mais voilà, quand j'ai vu le prix à 5 euros sur Vinted, c'est le même prix. Et avec les frais de port, ça me reviendrait plus cher. Donc, ben, je l'ai pris. Voilà, dites-moi s'il est bien, si je dois commencer par celui-là. Parce que forcément, merci Ghostplayer, hein, je me suis chopé le 3 aussi. Alors pourquoi pas le 2 et pourquoi pas le 4? Le 4, il était chez Easy Cash, mais il était à 8,99€. Au début, je me l'étais pris. Mais comme j'ai trouvé autre chose après, j'ai préféré prendre l'autre titre que vous verrez après. Donc, ils sont complets. Hein. Donc là, il n'y a pas de notice apparemment celui-là. Il est en français. Les CD, j'ai regardé, sont nickel. Donc dites-moi s'il faut que, absolument que je commence par le 1 ou si je peux commencer par le 3, si les histoires sont indépendantes ou si elles se suivent. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il faut que j'achète le 2 aussi? Je vais essayer de vous mettre ça. Comme ça, c'est mieux. Et ensuite, vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai craqué sur Hitman. Alors, ouvertement, super surpris parce que Dead Rising, moi, je l'ai payé 6,99€. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il y en avait un autre à 19,99€. Donc, je me suis dit que c'était une erreur d'étiquetage. Mais ensuite, quand j'ai vu Hitman à 5,99€ et avec le fourreau à 13,99€, je suis allé voir un vendeur, j'ai chopé, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoutez, déjà, premièrement, est-ce qu'effectivement, c'est bien le jeu complet? Parce que c'est marqué The First Season, donc j'avais pas envie que ce soit la saison de passe, et puis que je puisse jouer que la première saison, et après j'étais foutu. Il m'a dit, non, non, vous inquiétez pas, il y a 3 épisodes dedans, apparemment, c'est les 3 premiers jeux qui sont regroupés dedans, et il y en a un autre. Alors je lui ai dit, écoutez, est-ce qu'il y a Blood Money dedans? Parce que moi, c'est celui dont je me souviens. Il m'a dit que non, c'était pas Blood Money, c'était autre chose. Donc si vous le connaissez, si vous l'avez fait, dites-moi s'il est bien. Parce que j'en ai vu un chez mon ami Les Trouvailles de Jimmy. Bonne page aussi, si vous voulez les voir. C'est un bon YouTuber. Il avait fait ça il y a un bout de temps. Il faudrait que je lui demande si, effectivement, c'était celui-là ou pas. Parce que j'avais beaucoup aimé celui qu'il faisait sur sa chaîne. Et je voulais l'avoir. J'espère que c'est celui-là. J'aime bien les Hitman, mais le Blood Money, franchement, j'étais déçu. Et donc, ouais, 5,99€ comme ça. Et 13,99€ avec le fourreau. Donc, je vais voir le vendeur. Je lui ai dit, écoutez, excusez-moi, je sais que l'autre, il a un fourreau. Mais c'est ça qui justifie une telle différence de prix. Il me dit, non, non, apparemment, celui-là, on l'a rentré en septembre, celui qui est à 12,99, 13,99, pardon, et l'autre, on l'a rentré un peu plus tôt, mais je pense que celui avec le fourreau va avoir une petite décote, mais pas aussi importante. Vous êtes gagnant en prenant celui-là. Moi, le fourreau, effectivement, je m'en fous un peu. Donc, bah, bien content de l'avoir rentré. C'est mon premier Steelbook. Voilà, c'est le premier jeu vidéo de Xbox One que j'ai en Steelbook. D'ailleurs, j'espère que c'est sur Xbox One, je ne tombe pas, hein. Je ne dis pas de bêtises. Hein. Oui, c'est Xbox One. J'ai eu peur. En vous parlant, j'ai eu peur. Après, c'est vrai que le format n'est pas le même sur la 360, la boîte est plus grande. Donc, c'est le premier steelbook que j'ai de mémoire, hein, je dis pas de bêtises. J'espère qu'il est bien. Donc, dites-moi en commentaire si pour Dead Rising, il faut que je commence par le 1 ou pas. S'il faut que je chope le 2 et le 4. Le 4, je les prendrai plus tard. Hitman, pareil, dites-moi si effectivement il est bien ou pas. Et j'ai reçu un petit colis Vinted, donc j'ai déjà ouvert. Voilà, Blue Dragon. Donc, logiquement, il est complet. Ah, mon petit chat qui vient. Donc le CD numéro 1, disque 1, disque 2, disque 3, donc ça c'est bon, c'est complet. Les CD, bon, micro-rayure, mais ça va, ça passe largement. L'autre CD pareil, je crois, ouais, pareil, impeccable. Donc je l'ai eu complet avec la notice, elle est grosse la notice, hein. Bon, une tâche, c'est pas grave, ça va partir. Notice en français, écran champ, tout ça. Donc ça, je l'ai acheté à cause de toi, mon pote GamerZ. Voilà, tu m'en as parlé, tu m'as dit qu'il était bien, que voilà, donc j'ai cherché, il cote assez, hein, il cote pas mal maintenant, je l'ai eu à 5 euros hors frais de port, donc avec les frais de port, ça faisait 9,83 €. Donc voilà, mes petites rentrées du jour qui n'étaient pas prévues, à part pour Blue Dragon qui est commandé depuis un bout de temps. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si les jeux sont bien, dites-moi si vous avez déjà fait, dites-moi aussi pour Blue Dragon combien de temps il faut compter pour le finir. Et puis, ben, acheter des jeux c'est bien, mais y jouer c'est mieux, donc ben, j'essaie de faire un petit let's play de chaque, au moins de ma première prise en main, on va dire, de ces jeux. Et je vous dirai s'ils sont bien ou pas, à mon avis. Mais si vous y avez déjà joué, n'hésitez pas à me dire votre ressenti. Moi, je sais que pour Hitman, comme dit, j'en avais fait un sur 360, je ne sais plus lequel c'est, et j'avais été super déçu. Donc, alors qu'à l'époque, j'avais bien aimé. Donc, je ne sais pas du tout s'il est bien.
Voilà, j'attends vos commentaires, j'attends vos questions aussi, si vous en avez. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu, blablabla, vous connaissez la situation. Je vous laisse tranquille. Bonne soirée à tous et j'espère refaire bientôt un live dans un. Enfin, pas un live, mais filmer à nouveau dans un EasyCache. Allez, je vous dis à plus tard, jouez bien. Ciao, ciao, ciao!